Nous allons partir dans une aventure ensemble ce soir. On va le faire à fond, je vais lire les dialogues, tout ça. Enfin non, je vais même pas les lire parce que, genre, il y a le voice acting et tout. Même en 2002, il y avait le voice acting. Donc, pour résumer, on va aller voler de l'argent. Enfin, pas de l'argent, on va voler un dossier à un inspecteur. Nous sommes donc le petit raton laveur ici. Et on a donc des coéquipiers, on a une tortue verte qui va nous guider un petit peu. Saute avec la touche X. C'est ce que je viens de faire. Et donc il est toujours en mode « Ah, mais faut y aller, mais putain, j'ai trop peur !» Et le but, c'est de récupérer l'argent. Jusque-là, tout va bien. Tu vois ces lumières bleues, là? Ah oui, j'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de raton voleur l'opportunité sous la forme d'aura bleue. D'après mes recherches... Les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleue. En fait, vous êtes tous des auras bleues à mes yeux. Ok, cercle enfant secret des zones bleues. Du coup, c'est ça. Ah ah. Ta-da. Et ce jeu, faut savoir que ce jeu, pour moi, il était hyper compliqué quand j'avais genre 8 ans. C'est normal. Mais maintenant, peut-être qu'il va me paraître un petit peu plus simple. On va voir. Mais... Oui, vraiment. Le bureau de l'inspecteur Carmelita Fox est derrière la porte rouge. Derrière la porte rouge. La porte rouge, je me suis déjà perdu. Voilà. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait, apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. Alors, du coup, nous sommes arrivés à la première mission. Pour tuer la grenouille. Mais genre, tu peux pas te faufiler là. Genre, tu peux pas passer par là. Quelle est la logique? Je sais pas, par là. Et aussi l'échelle, là-bas. C'est exact. Mais n'oublie pas, Sly. T'en approcher. Puis la saisir avec la touche cercle. Mais oui, relax Bentley, je connais ça par cœur. C'est vraiment un jeu avec zéro logique. Bon déjà vous êtes un raton laveur qui parle à une tortue qui conduit un van. Non, c'est l'hippopotame qui conduit le van. Donc la logique déjà à partir de ce moment là je pense qu'elle est déjà fucked up. Mais c'est cool. C'est bien. Il te faudrait passer par ce tube d'alimentation hautement... Ah taille des cadenas quoi. Bah oui, la logique de ce jeu. Je vais protéger cette chose par 3 cadenas qui font la taille de mon torse. Donc ouais, alors, le but c'est de récupérer les clés, vous avez compris, pour pouvoir passer par là. Après la logique du jeu, je comprends pas pourquoi le mec il garde pas juste les clés sur lui tout le temps. Enfin, ça paraît plutôt logique. Mais non, il choisit de les cacher dans des niveaux bien entendu. Et c'est ça, le mec, au lieu de garder tout simplement les clés sur lui, il va aller les cacher et tout, donc en fait, pour aller à son bureau, t'imagines le mec pour aller à son bureau, les conneries qu'il doit faire, quoi. Tout va bien, ceci est parfaitement safe, hein. Je rappelle que le mec, pour récupérer sa clé, il doit faire ça tous les jours, pour aller juste dans son bureau. Je perds de l'argent quand je meurs! Quelle horreur. Ah, je vais être relou pour ça. Et je veux toutes les bouteilles. 5 zones au total et grand max, tu mets 1h30 à en faire une, donc le jeu est fini rapidement. Ah non mais attends, tu me connais pas. Moi mettre 1h30 pour un truc, en sachant que j'aime bien parler, j'aime bien m'arrêter sur certaines choses et dire regardez ce crâne. Regardez-moi ce crâne magnifique avec des yeux violets et qui crache du feu. Par la tête. Enfin par le cerveau. Et je peux passer facile 1 minute dessus, donc on en perd du temps au final. Hey. Du coup, ce sera peut-être un petit peu plus chiant pour vous, mais moi, carrément, j'ai... Merde. Mais genre, j'étais pas dessus. Ces rats se sont fait avoir. Raleigh a placé des pièges partout ici. Ça va être marrant. Tu es fou ou quoi, Sly? Si tu marches sur ce tapis, finis ta carrière de voleur et bonjour la carrière de passoire. Attends un peu. Si je me servais de ce tonneau comme protection? Je ne sais pas. Ça reste dangereux. Tout est épique dans ce jeu. Un seul moyen de le savoir. Oh merde. Adieu à ta carrière de voleur et bonjour à ta carrière de passoire. Et genre, tu sais pas pourquoi, mais il y a un tonneau qui est juste devant le tapis. Hein, mais tu sais pas pourquoi. Oh, bien entendu. Les flèches ne traversent pas. Bien entendu, cette protection extraordinaire. Les gardes ne te verront pas, même en pointant leur torche dessus. C'est aussi, je trouve ça, la logique. Le tonneau, il est là, puis d'un coup, le mec, il se retourne, t'as un tonneau 3 mètres devant. Pourquoi le mec, il se dit pas, tiens, ceci n'était pas là il y a 10 secondes.
Je sais pas. Peut-être que... Tiens, un tonneau. Intéressant. Tiens, un tonneau. Mais ce tonneau était là tout à l'heure. C'est intéressant. C'est quand même un joli tonneau. Petit, tu vois même pas dedans. Tu vois même pas dedans. Du coup, je me suis mis comme une merde. Ah non, 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 non. Comme ça. D'accord. D'accord. Je pensais que c'était un capteur de mouvement, mais non. Je pensais que c'était... Enfin, il m'a dit si tu marches sur ce tapis. Là, j'ai sauté au-dessus du tapis, mec. D'accord. C'est la raton roulade de fuite. Nous pouvons rouler telle une bouboule. Et on peut rester comme ça et se mettre en PLS et pleurer. Voilà. C'est la PLS. Oh la flemme. Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. D'après mes connaissances en ingénierie mécanique, il suffirait d'appliquer une torsion rotative importante pour atteindre une vitesse maximale et générer une réaction. En français, il faut que je fasse tourner cette roue le plus vite possible, c'est ça? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Une torsion rotative maximale pour générer une réaction. Voilà, vous savez quoi faire quand vous voulez dire à quelqu'un qu'il faut faire tourner quelque chose. Oh oui, je m'en souviens. Mais genre, je me suis accroché. Regarde, la serre. Tu vas t'accrocher en fait. Non mais mec. Tu te fous de ma gueule. Accroche-toi sur le truc. Oh, il y a un truc avec un sous-marin là. Il y a un truc avec un sous-marin. En VO. Alors. Ah oui, c'est vrai. Oh merde, ça va tuer. Ça a l'air facile comme ça. Pour l'instant, ça va, mais... Faut pas qu'il y ait un seul crabe qu'en prenne un. Non, 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 non. C'est bon? Non, 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 lui là-bas. Tu n'as pas été très brillant, j'aimerais bien t'y voir, toi. Pardon, excuse-moi. Le coffre des abonnés. Non. Je l'avais pas vu. Non, non, non. Namaste, non. Non, 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 non. Mais non, mais c'est pas possible. Non, oui. Félicitations, tu as réussi. Regardez. En plus. Merde, putain, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je roulais en mode. Regardez, en plus je peux me mettre en PLS et tout, mais. Tada! Ah bah non! On les a tous fait. My bad. Excusez-moi. My bad. Putain, là-dedans. Ah non, là-dedans! Carrément! Ah bah oui! Et nous en sommes déjà au boss du premier niveau. Et oui! Attention. Oh, comme c'est charmant. Nous avons un invité. Le seul problème, c'est que... Je hais les invités surprises. Non. Il va sauter. Au bout de 1, 2, 3, 4, 5e saut, je crois qu'il devient petit. Ouais. Voilà. C'est là, je crois. Non. Celui d'après, alors. Oui, je cheat, mais c'est à ça que ça servait les bouteilles. Oui. Mille sabords. Oh, c'est mignon. Donc, on a eu toutes les clés, on a eu 4 coffres forts sur 6, et on n'a fait rien dans les temps. Bon, ça, c'est normal. On n'a rien fait dans les temps.